Wesh les potos, dans cette 8ème vidéo, je vais vous parler de la personnalisation du skin Maya. Alors c'est tout nouveau sur Fortnite depuis la saison 2, chapitre 2, ils ont ajouté une personnalisation de skin. Et franchement, ça faisait longtemps qu'on le demandait. Là, pour l'instant, il n'y a qu'un skin à personnaliser, c'est le skin Maya. Donc si vous voulez le personnaliser, il faudra acheter le pass de combat et ensuite vous pourrez améliorer le skin Maya. Alors par contre, pour l'amélioration, il faudra attendre 9 semaines pour débloquer toute la personnalisation du skin. Parce que chaque semaine, vous allez débloquer un élément. Par exemple, cette semaine, vous pouvez débloquer la coupe de cheveux. La semaine 2, ce sera tatouage. Puis la semaine 3, les manches, puis les bottes, puis la couleur du haut, puis le gilet, le couvre-chef, la couleur du bas, le visage. Et puis ensuite, quand vous aurez terminé les 9 défis, vous débloquerez l'écharpe. Alors cette semaine, le défi est de devenir spécialiste des fusils d'assaut en infligeant 250 points de dégâts au fusil d'assaut en une seule partie. Et vous allez devoir faire ça dans 5 parties différentes. Alors je vous conseille bien sûr de le faire en foire d'empoigne, vous aurez beaucoup plus facile de réaliser ce défi. Et quand vous aurez terminé ce défi, vous pourrez choisir la coupe de cheveux entre les 4 coupes disponibles. Alors je fais cette vidéo aussi pour vous présenter à quoi ressemblera mon skin final. Parce qu'en réalité, on peut déjà choisir chaque accessoire qu'on voudra déverrouiller au fur et à mesure des semaines. Donc voilà mon skin, quand j'aurai déverrouillé tous les accessoires, à quoi il ressemblera. Je le trouve super badass. Je l'ai fait un peu en mode infiltration militaire, genre Metal Gear Solid. Moi je le trouve vraiment stylé comme ça, en noir et gris. Il est parfait. Avec sa petite casquette, il est trop stylé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien mon skin en commentaire. Et voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace.